Pour ne rater aucune actualité relayée sur Guérit TV Monde, c'est simple et facile. Abonnez-vous à notre compte YouTube en tapant Guérit TV Monde. Guérit TV Monde, le leader des web TV. 20 ans déjà que feu Moucharafou Badamansi s'en est allé. Deux décennies après, les militants du Parti du Renouveau Démocratique se souviennent des œuvres de l'homme et lui rendent hommage. Parallèlement à son métier de magistrat, il développa progressivement des activités commerciales. Grâce à sa facilité d'adaptation, sa capacité à pénétrer tous les milieux et surtout en s'appuyant aussi sur le sens des affaires dont son épouse à la guerre. Amourabou Badamansi a reçu s'y présenter. Sa situation financière confortable a nourri et développé l'altruisme et la philanthropie qu'il habitait. Son domicile prit très tôt l'allure d'un centre social que des nécessiteux de tout genre et de tous horizons prenaient d'assaut. Projection de documentaires, prise de parole au pupitre, prière, bref, rien n'a été occulté pour rendre un hommage mérité à l'illustre disparu. C'était vendredi 7 février 2020 dans cette grande salle de réunion du siège du parti. Il est bon, voire indispensable, que des témoins du passé viennent rendre justice, viennent rendre hommage à celui qui, pendant toute sa vie, a lutté pour la liberté, la paix, la démocratie, le bien-être des populations et pour l'accomplissement du programme du parti. Vous savez, mon cher Badamansi, selon ma compréhension, est un homme exemplaire et une bonne créature humaine. Moussa Badamansi aime son pays d'un amour qui lui arrache les pleurs. Ce qu'il créait en ce moment-là, je souligne qu'au complexe scolaire du Tobalo, toute nationalité confondue, nous l'appelions papa. Non pas parce qu'il nous a engendrés, mais parce qu'il nous avait adoptés et nous étions de véritables fils pour lui. Mais à Missala, parce que dans le temps, il avait fait badigeonner la cathédrale. Il n'y avait pas de question. Alors je reviens à mes témoins. Je parle sur le contour de la gare. C'est vrai, le président Badamansi, il ne m'a pas donné l'argent. Il m'a donné plus que l'argent. Il y a des gens dans cette salle qui peuvent témoigner. Il m'a donné l'amitié. Il m'a donné la confiance. C'est pourquoi, cet après-midi, j'avais un engagement. Mais si j'entends le nom du président Badamansi, quel que soit ce que je fais, je dois descendre. Parce qu'à sa mort, j'ai perdu un grand frère, j'ai perdu un ami, j'ai perdu un confident. Et puis, depuis, c'est le sport qui l'a rassemblé, mais on est allé au-delà. C'est un homme qui sait bien aborder, qui sait comprendre. Et ce jour-là, à nous deux, nous avons pris la tête de la Fédération Guinéenne de football et il a été le président du championnat. J'ai été le responsable à l'organisation. Moucharaf Badamansi, paix à son âme, est un homme exceptionnel. Exceptionnel par sa fidélité en amitié, exceptionnel pour son engagement au service de sa ville natale, Porto Novo, exceptionnel pour sa passion
pour le football, exceptionnel pour l'ensemble du Bénin. Faut-il le rappeler, Moucharafou Badamossi est le tout premier vice-président du Parti du Renouveau démocratique.